Domnilor, avem fericită ocazie în această seară, aici, acasă la Bacovia, în salonul în care își primeau oaspeții și oaspeți de seamă, să primim și noi doi oaspeți de seamă din Franța, doi scriitori. Chiar dacă unul din ei e legat, doamna Müller este legată de România, fiind directorul Institutului Francez de la Iași. Deci trăind cel puțin de vreun an. Un an și jumătate, deci deja s-a obișnuit, s-a familiarizat cu viața culturală ieșeană și cu modul nostru de a fi a românilor. Și domnul Sylvester Clancier, aici de față, care este președintele Academiei Stefan Mallarmé din Franța. Bienvenu à nous. Bienvenu à nous. Și vom avea cel care va face partea de traducere, ca să zic, de translate, de introducere, de traducere, domnul Valeriu Stancu, cel care de fapt a tradus cele două, trei cărți pe care o să le prezentăm astăzi. Pentru că vom face, de fapt, o prezentare de carte, nu vom face neapărat o lansare clasică, în stil clasic, ci vom face și un dialog între dumneavoastră, cei care vorbiți limba franceză, cei care comunicați în franceză foarte bine. Și mă uit aici la doamna Elena Bunai, care știu că a scris și a tradus din franceză și a scris în franceză. Sunteți un scriitor, pot să zic, de limba franceză. Doamna Florentina Stancică e profesor de limba franceză și inspector, sper în continuare să revină inspector de limba franceză la inspectoratul, așa. Doamna Carmen Mihalache, o vorbitoare de limba franceză, de asemenea, filolog format în limba franceză. Și ce să zic de domnul Mihai Botez, care este pe mai bine de jumătate francez și doar au mai rămas puțin român, pentru că și-a dat doctoratul în Franța, în Stefan Mallarmé, culmea, vedeți? De asta am și ținut să fie prezent, că și-a dat doctoratul în Mallarmé, deci unul din specialiștii cei mai buni în a-l interpreta pe Stefan Mallarmé. Și cred că mai sunt și alți vorbitori, poate nu foarte buni de limba franceză, dar care înțeleg limba franceză și cu care putem în seara asta să avem un dialog cu oaspeții noștri. Ne bucură că avem această ocazie și această posibilitate să ne cunoască și dânsii patrimoniul nostru cultural, Bacovia, deocamdată, poate altă dată și Vasile Alexandrei, dar e bine că suntem în acest salon generos al lui Bacovia. Inițial trebuia să facem afară, în grădină, în casă Bacovia, dar dacă vremea e bacoviană, ce să-i facem? Trebuie să acceptăm așa și ne-am aciuat aici în salonul Bacovia. Eu o să rog pe domnul Valeriu Stancu să ne prezinte puțin mai mult pe oaspeții noștri, adică despre opera esențialul, noi, eu n-am esențial, nu să vorbiți despre opera pentru că ați făcut traduceri și din operele dânșilor și deci o să rog domnul Valeriu Stancu să facă o prezentare mai a operii și chiar și a persoanei, da? Trebuie asta ca să fie înregistrat. Înseamnă că tatăl lui Sylvestre Clancier a ratat de puțin posibilitatea de a se vaccina, pentru că el a plecat dintre noi în urmă cu 3 ani, la 104 ani. Așa că și e dintr-o familie longevivă și mama a trăit 100 de ani. Așadar, el va reveni sigur în România în următoarele 3 decenii. Așa. Bine v-am găsit, dragi prieteni. Pentru mine este o onoare, dar și o bucurie să fiu aici. Și am spus de mai multe ori domnului Brăneanu că dacă la Iași aș fi fost un simplu membru al Uniunii Scriitorilor, de mult aș fi făcut parte din filiala Bacău, dar cum într-o vreme am păstorit și o filiala de la Iași, ar fi fost cel puțin bizar să plec după aceea, să plec de la Iași și ca să fiu printre prietenii de la Bacău.
Dar vin aici întotdeauna nu ca acasă, ci acasă. Și cred că cel mai potrivit loc pentru întâlnirea cu aceste două personalități ale literelor franceze este aici, la Bacău, și mai ales în această fascinantă casă unde a trăit unul din cei mai mari poeți pe care îi are continentul nostru. Eu știu ce spun, știu să pun preț pe cuvinte. Îi spuneam doamnei Tincuța, deci Tincuța mi-a rămas că e foarte ușor de pronunțat, dar celelalte două nume sunt puțin mai așa. Îi spuneam chiar că am urmărit fenomenul, sunt interesat sau am fost măcar când eram tânăr și, de exemplu, în dicționarul european al literaturii, România, scos de Oxford, deci nu așa de o editură, știu eu, de cartier sau de apartament, România este reprezentată de 14 scriitori și cel mai important și cel mai bine reprezentat este socotit, deci apare în carte, George Bacovia. De asta i-am și spus în urmă cu câteva ediții, nu, am spus public în urmă cu câteva ediții, că sunt gelos pe orașul dumneavoastră care a dat un astfel de nume, pentru că paradoxal Iașul, deși a adunat și adună valori, nu a născut valori. Și atunci să simt, pentru că eram între prieteni, am zis în afară de mine. Acum nu mai spun acest lucru. Așadar, suntem împreună, suntem pentru sufletul nostru, suntem pentru menirea pe care o avem, pentru că suntem cu toții scriitori, și mai ales suntem ca să sărbătorim spiritul, nu doar spiritul francez, ci și spiritul românesc, care a fost mereu legat de viața Franței, cu atât mai mult cu cât acum acest spirit chiar trebuie sărbătorit, pentru că este asaltat din toate părțile de grobianism, de ticăloșie, de corupție, de, în sfârșit, știți în ce realități social-politice trăim, și cu atât mai mult cu cât peste ceea ce am spus, peste toate aceste nenorociri, a mai venit și pandemia, care a oprit întâlnirile noastre de suflet, care au oprit manifestări de prestigiu care se făceau, care se organizau aici, și de președintele Uniunii și de domnul Victor Munteanu. Așadar, vă spun că este una dintre, poate prima după amiază, frumoasă, plină, rotundă, pe care eu cel puțin o trăiesc în acest an. Cei doi oaspeți care sunt astăzi aici, în casa noastră, sunt foarte diferiți, ca să zic așa, pentru că vedeți că îi desparte și vârstă, și sex, și unele modalități de scriere, dar în același timp sunt și foarte, foarte asemănători, au mult mai multe trăsături care îi unesc decât cele care îi despart. Amândoi dețin sau au deținut importante funcții publice. Amândoi au fost universitari cu doctorate la Sorbona în litere Muriel și în filozofie Silvestre. Apoi amândoi au părăsit sau au renunțat, poate n-au părăsit, dar au renunțat la această poziție de universitar din cauza că patima scrisului i-a chemat cu mirajul său, pentru că universitar sau în sfârșit funcționar, oricât de înalt sau devii, dar scriitor te naști. Ei au fost născuți scriitori, așadar au renunțat la carierele universitare,
Muriel Ogrea a îmbrățișat cariera diplomatică, a lucrat peste cam un sfert de veac în diplomație și mă apropii cumva și de substanța cărții ei de proze. A avut, zic eu, norocul, șansa de a fi în misiune în țări din bazinul mediteranean. Deci într-o spiritualitate uluitoare. Noi știm cu toții că vrem, nu vrem, recunoaștem sau nu recunoaștem, Mediterana cu tot ce a fost în jurul ei a fost un leagăn pentru civilizația europeană și nu numai, și nord-africană. Și acest fapt, faptul că a avut misiuni în Italia, în Maroc, e franțuzoaică, se vede în volumul de proze, pentru că acțiunea din cele 8 nuvele ale cărții se petrece în țări pe care ea le-a cunoscut în calitate de diplomat. 15 ani a stat în Italia, a fost căsătorită cu un italian pe care, din nefericire pentru ea și din păcate pentru noi, l-a chemat cel de sus la sine. Dar cei 15 ani și-au lăsat o amprentă puternică asupra personalității lui Muriel, căci ea este îndrăgostită și o spune mereu și de țara aceea, de Italia și de oamenii ei, de cultura, de civilizația pe care Italia le-a dăruit Europei și lumii întregi. Așadar, vă spuneam, Muriel a urmat o carieră diplomatică. Sylvestre Clancier a condus foarte multă vreme, foarte multă vreme, are o vârstă, deci are un trecut, are spre ce privi în spate și a condus PEN Clubul Internațional, a fost președinte al PEN Clubului francez. Astăzi este președinte de onoare al PEN Clubului francez. Este membru al celor mai prestigioase jurii internaționale literare. Când, dacă vă uitați la câteva din marile premii care se acordă, să spunem, premiul Stefan Mallarmé sau Apollinaire, veți vedea că ori sunt prezidate de Sylvestre Clancier, ori face parte, ori domnia sa face parte din juriile respective. Așadar, vă spuneam că au avut funcții publice, au și în prezent. Muriel va deveni româncă și cu sufletul și cu preocupările, pentru că mai are ani de stat la Iași ca director al Institutului Francez din România la Iași. Sylvestre este și el românizat, ca să zic așa, între altele pentru că a cunoscut, a trăit în preajma unor scriitori francezi de origine română sau scriitori români. Aici am avut o discuție, vă rog să-mi iertați digresiunea, am avut o discuție cu directorul editurii Hachette, care voia să scoată o serie de volume cu literaturile Europei. Și unul din volume era dedicat literaturii române. Nu știu pe ce criterii, n-are nicio importanță. Eu am fost cel care am fost desemnat de editura Hachette, un an din cele mai mari, că aveau și un post de televiziune, Antenne 2, una din cele mai mari din Franța, să fac acest dicționar. Eu l-am făcut, găsisem 51 de scriitori și disensiunile au început în clipa în care ei au spus: a, nu, păi Eugen Ionescu e francez, Cioran e francez. Bă, fraților, stați puțin, oamenii ăștia
români. Silvestră știe foarte bine literatura română, cunoaște, l-a cunoscut, au trăit și în preajma, s-au văzut, l-a cunoscut, deci, pe Eugen Ionescu, dacă vreți neapărat. Așadar, el este românizat prin faptul că, aș spune, chiar foarte bine cunoaște literatura noastră. În plus, printre prestigioasele premii pe care le-a primit, premii literare pe care le-a primit de-a lungul existenței sale, de-a lungul carierei, de-a lungul activității sale literare, care n-a încetat nicio clipă, este și deținătorul premiului Tudor Arghezi. Ieri am fost la Biblioteca Județeană din Iași, al cărei director întâmplător am fost aproape un deceniu, și pe scări erau fotografiile tuturor scriitorilor și el s-a oprit direct la Tudor Arghezi. Deci nu e doar o abstracțiune, așa, un nume pe un carton, pe o diplomă. Nu, știe. Am discutat și versuri și poeme din Arghezi, ba chiar și glume despre Tudor Arghezi cunoaște Silvestre Clanzie. Cam asta ar fi despre ei ca oameni, ca personalități. Îmi revine sarcina, cred că, să spun și vreo două cuvinte despre aceste cărți pe care le lansăm astăzi. Da? Mai am timp? N-aș vrea să plictisesc pe nimeni, pentru că... Mulțumesc tare mult. Je ne me sens pas du tout à l'aise quand je parle. Nu sunt un vorbitor foarte bun și întotdeauna, cel puțin la Iași, unde cât de cât mai știu și eu lumea pe acolo, întotdeauna spun, eu când am ceva de spus, scriu. Scriu, îmi vine, merge, nu știu cât de bine, dar oricum curge mai frumos decât sunt un prost vorbitor și... Danke schön. Și așadar avem două volume de versuri și un volum de proză pe care le lansăm. Am fost foarte bucuros când am aflat că la Iași va veni director, după foarte mulți ani în care am avut directorul Institutului francez, a Institutului francez la Iași. Ei preferă să spunem Institutul francez din România la Iași. E o formulă pe care am văzut că ei chiar o folosesc și în acte. Așa. M-am bucurat foarte mult când am auzit că vine o doamnă care este și scriitor. Și nu vă ascund faptul că doamna aceasta, atunci când a fost numită la Iași, s-a interesat imediat, nu doar de țară, țara o cunoștea, ci de orașul acesta. Și la cine să te duci decât la cineva care cunoaște foarte bine România, dar care este cumva și aproape francez și fiind prietenă foarte bună cu unul din mari scriitori români ai momentului și nu numai ai momentului, fiind prietenă foarte bună cu Matei Vișniec, s-a dus la Matei Vișniec și a zis, uite, așa, 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 plec la Iași. Și când a ajuns la Iași, a venit în armată cu o foaie de hârtie pe care erau două nume. Primul era al uluitorului grafician, cel care a pictat primăria din Viena, Dragoș Pătrașcu. Cred că la ora actuală, după ce a plecat Marcel Chirnoagă dintre noi, cred că e cel mai bun grafician din țară. Și al doilea nume de pe lista pe care o dăduse Matei Vișniec era numele meu. Ne-am cunoscut, deci, foarte repede, iar nu că a fost profet Matei, dar cele două nume chiar au colaborat, cei doi, Dragoș și cu mine, am colaborat cu Muriel, pentru că înainte de a-i citi eu versurile,
Echipa prietenilor noștri de la editura Junimea o descoperise deja și a scos o carte. Tu n-ai pas le livre de Junimea? Voilà. I-a scos o carte. Și de ce spun că a venit bine în armată? Pentru că acest volum este ilustrat de Dragoș Pătrașcu. Ați ghicit. Ei bine, eu i-am văzut cartea și mi-a dăruit-o, am și citit-o atunci și mi-a plăcut enorm de mult și volumul în franceză și translarea lui în românește, dar a fost de bun augur întâlnirea cu Matei Vișniec și lista aceea, pentru că aflându-ne într-o zi în vizită la Muriel, am găsit pe o masă, pe o măsuță, unde eram la o cafea, am găsit niște foi de hârtie cu niște poeme. M-am uitat prin ele așa mai mult la început de curiozitate și am întrebat-o, Muriel, ce-i cu poemele? Zice, uite, un foarte cunoscut, prizat, căutat grafician francez a făcut, pentru că are acest obicei și a și spus-o public, volumele domniei sale de versuri sunt ilustrate de mari nume din pictură, din grafică, mari nume ale contemporaneității și zice, uite, mi-a trimis 30 de lucrări, parcă 30 erau, nu mai țin minte, și zice, mi-au plăcut atât de mult încât m-am așezat la masă și am scos aceste poeme. Iar eu i-am spus, uite, eu le-am citit și cum le-ai scris tu dintr-un suflu, că așa mi s-a întâmplat și cu Silvestre Clancy, uite, așa ți le voi traduce eu, nici nu ți le mai dau înapoi, că nu de alta, dar s-ar putea să fie și alți doritori care să se îndrăgostească de versurile tale și chiar meritau să te îndrăgostești de ele. Le-am luat, le-am tradus și așa s-a născut primul volum scos de editura Cronedit. Directorul editurii este în sală, este doamna Mariana Stancu. Ea se ocupă de tot ce ține de, în afară de cuvânt, de litere, care sunt ale mele, restul, tot ce ține de viața editurii se ocupă Mariana. Și așa s-a născut acest volum. Și vreau să vă spun că Filip Bure, graficianul, a fost de-a dreptul încântat și nu numai că i-a plăcut, dar și mie am trăit și eu acea senzație, e atât de rotund încât l-a rugat pe vicepreședintele pentru clubul lui francez, Emmanuel Pierrat, să scrie și o prefață, și prefața există în carte. Cred că dacă veți vrea să ascultați, sunt micropoeme, cartea este bilingvă și a fost pentru mine o revelație, așa i-am cunoscut universul. V-am spus, am citit și volumul scos de Junimea, dar Muriel mi-a dăruit și volumul Rien va plus. Nu l-am citit cu intenția de a-l traduce. Dar cele 8 nuvele sunt atât de bine realizate. Sunt niște mici bijuterii. Sunt atât de rotunde, de acroșante. Sunt atât de neașteptate, pentru că foarte multe din ele au, în foarte multe din ele finalul cade așa ca o rază de soare pe lama unei ghilotine. Încât am spus, domnule, este păcat să nu cunoaștem și noi acest univers pe care Muriel în care a trăit, pentru că vă spuneam că acțiunea se petrece în țări unde ea a fost în diplomație. Am tradus cartea și în timp ce o introduceam în calculator, a venit să mă viziteze președintele
Uniunii Editorilor din Republica Moldova, care e și directorul editurii Academiei din Chișinău, și i-au căzut ochii pe un pasaj pe care îl introduceam în calculator, pentru că eu voiam să scot cartea la Cronedit, normal, este editura noastră. Și el a zis, nu, 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 această carte va apărea la editura Știința din Chișinău. A apărut, Muriel este foarte mulțumită, este frumoasă și ca obiect, este un volum de o unitate stilistică, de o unitate ideatică, este un volum de o profunzime surprinzătoare sub un aspect care pare la început destul, pentru că destul de normal, de comun, pentru că Muriel știe să pună preț pe amănuntul, pe detaliul semnificativ, și cu talentul pe care îl are și de care vă veți convinge, pentru că v-am spus că mai rămâne în România, va mai scoate cărți, poate să transforme orice în literatură, un fel de Cresus al literelor, al cuvintelor. Dar cum? Un fapt, oricât de banal, un fapt divers, cum apărea înainte în ziarele comuniste, dacă țineți minte, faptul divers, dădea că unul a spart nu știu ce sticlă sau chestii de astea, îl poate transforma în literatură. Și în literatură de mare, de autentică valoare. Boșă, dragi prieteni, sunt mulțumită fiind la Bacău. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre accueil à Bacău. Je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin circuler un petit peu en Roumanie. C'est vrai que je suis en Roumanie depuis un an et demi, mais que malheureusement, avec la Covid et avec une interruption de retour à Paris, je n'avais plus eu d'avion pour revenir et j'ai été bloquée. J'ai dû reprendre d'ailleurs un avion affrété spécialement par le gouvernement roumain, où moi, seule française, ai pu monter à bord en mai dernier. Et donc, voilà un exemple d'anecdote. Et je suis restée un petit peu trop éloignée et je n'ai pas pu, comme vous tous, voyager comme je le souhaiterais. Mais on espère que justement une rencontre comme celle-là, c'est le début, hein, d'un renouveau culturel, d'un renouveau de voyage, d'une vie un petit peu plus normale, hein, qui nous a tous affectés. Donc vous dire en effet que je suis ravie d'être ici à deux titres, par une nomination officielle en effet de mon gouvernement qui m'a nommée directeur d'un institut culturel de Roumanie, de l'Institut culturel de Iași. Et puis, très égoïstement, je suis très très heureuse parce que je me retrouve dans une région fortement culturelle, fortement imprégnée de l'histoire, où justement la littérature a un sens. Et lorsque j'ai été nommée, j'ai regardé Iași, j'ai regardé la ville, puis j'ai vu aussi le Philit, et j'ai vu qu'il y avait un festival de littérature et de traduction. Je dis ça, c'est génial, je dis oui tout de suite. On m'avait proposé des postes comme Shanghai, comme des postes en Amérique du Sud, de très beaux postes. Et j'avais dit non, je souhaite revenir en Europe pour des raisons familiales. Et puis, j'aimais bien, j'allais dire, les racines de notre vieille et belle Europe. Donc j'étais très heureuse d'accepter ce poste de Roumanie. Maintenant, de dire que j'y ai beaucoup d'amis, des amis dans le domaine, voilà, de la littérature, dans le domaine des arts, dans le domaine à l'université, dans le domaine éducatif. Voilà, c'est tout cela. Et donc, en fait, comme le disait, je pense très bien, Valerio, que je remercie énormément, autant que je remercie son épouse, Mariana, et vous tous, il y a une unité dans ma vie entre mon métier et entre ce que je peux faire, et entre l'écriture. Donc, lorsque je finis ma journée professionnelle, eh bien, je me mets à écrire. Et la preuve a été la parution
de ces trois recueils. Le premier en étant en effet l'anthologie. Le deuxième, c'est vers publiés chez Cronedit et Stinser. Et puis la traduction de nouvelles que j'avais fait paraître il y a quelques années sous le titre « Rien ne va plus ». Alors, je ne sais pas exactement comment je peux présenter, peut-être dire un petit peu comment j'ai écrit mes nouvelles et le lien qu'il y a entre mes nouvelles et la poésie. J'ai commencé par écrire des nouvelles, oui, je vais donc commencer par les nouvelles. Alors bon, je suis universitaire de formation, comme beaucoup d'entre nous, donc j'ai toujours écrit. J'ai toujours fait des commentaires, des comptes rendus, des articles critiques. Et ceci est un avantage et un inconvénient, je trouve. Parce que on écrit, j'allais dire, très sérieusement. On est le professeur, le critique, qui écrit. Et pour moi, ça a été un petit peu un handicap, comme je le disais à Sylvestre. Je suis de famille, souvent des familles de médecins, et moi, je suis famille de profs. Donc ma grand-mère, première institutrice dans les années 30, mes deux parents, professeurs. Donc forcément, dans un univers, je dirais, de transmission du savoir, et en même temps d'une certaine rigueur. Donc, lorsque j'ai commencé, écrire et enseigner, c'était quelque chose de très sérieux. Et j'allais dire qu'il me manquait peut-être un petit peu un élan. Et à un certain moment, j'allais dire avec l'âge, mais non, à un certain moment, j'ai eu envie de me débarrasser de ce carcan trop classique, trop strict, et d'aller vers la prose et d'écrire un petit peu ce que j'avais envie. Et de me faire plaisir, et j'espère de faire plaisir aux autres. J'étais en Italie quand j'ai commencé à écrire. L'Italie, vous savez, c'est le cousin germain de la France. C'est celui qu'on adore et avec lequel on se dispute du matin au soir. Il y a une relation d'amour et de haine avec l'Italie qui est totale, qui est quotidienne, qui est amusante d'ailleurs. Parce qu'on se tombe dans les bras et après, on se chamaille beaucoup. C'est un pays plus latin que la France, hein, bien entendu, donc où les relations sont plus faciles, où l'humour ou l'ironie est également souvent plus facile. Donc moi, je me suis trouvée à merveille. Bon, d'abord, j'y ai connu mon mari. Maintenant, j'ai des enfants franco-italiens. J'ai de la belle famille. Donc, voilà, c'était en même temps le pays dans lequel je me suis un petit peu installée. Et puis, c'était un pays où il y avait beaucoup de situations qui, pour moi, en tant que Française, étaient un peu anachroniques. Et je me suis amusée, je me suis dit, ben voilà, on va commencer à écrire, parce qu'il y a des choses qui m'amusent dans ce pays, comme elles m'amuseraient certainement dans le mien. Mais au début, c'était avec le regard d'une autre. Et puis après, alors un exemple que l'on cite depuis quelques jours et que vous pourrez lire donc dans ces nouvelles, c'est comme moi j'entends ici, on entend tout le temps « chi, 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 o pentru, pentru ». Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que ce « chi » que j'entends sans arrêt? C'est quoi « pentru »?« Pentru che » qui revient beaucoup, hein, quand on est étranger, on entend des mots. Et alors en Italie, j'entendais toujours le mot « auguri, auguri, tanti auguri, augurissimi, viva auguri ». Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sans arrêt avec ces auguri? Enfin, j'avais bien compris que c'était un mot, mais je le voyais dit à toutes les sauces. Pour un oui, pour un non, pour des salutations, pour un mariage, pour un examen, pour une rencontre avec quelqu'un, il y avait cet auguri. Et donc, je me suis dit, ben, je vais construire. Je me dis, mais ils ne peuvent pas vivre, les Italiens, sans se dire auguri, c'est pas possible. Et donc, il y a une nouvelle qui s'appelle Auguri, que j'ai construite, voilà, avec des personnages, et des personnages clés qui se chamaillent un peu, qui s'aiment et qui, par derrière, se font des coups. Voilà. Après, j'ai vécu aussi au Maroc, pays avec lequel la France, évidemment, a une relation très forte.
une relation historique, celle du protectorat, qui est celle que nous ne souhaitons pas, enfin que moi personnellement je ne souhaite pas, bien entendu, exploiter. Et donc mes meilleurs amis ont été vraiment des Marocains avec lesquels j'ai eu une relation excessivement directe de collaboration, d'échange avec justement les peintres, etc. Et puis, alors ça c'est une autre nouvelle qui est là, mais que j'ai fait lire à mon ami Sylvestre. Il y a aussi au Maroc toute une débrouillardise. Je dirais des gens du peuple hein, qui se débrouillent pour vivre et qui font des choses absolument rocambolesques, on va dire. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, j'ai vécu, alors, oui, en effet, si je fais 15 ans en Italie, 8 ans au Maroc, là, ça fait 2 ans, donc 15 et 8, 23, plus 2, 25, ça fait quand même beaucoup, là, dans ma vie. J'ai vécu presque, oui, presque autant en France qu'à l'étranger. Oui, j'ai pas compté. Non, mais je rajoutais les 2 ans de Roumanie, ou les 2 ans plus... Je ne suis pas du tout prof de maths et je suis aussi très... Enfin, sans être... Il n'y a pas besoin, en effet, d'être prof de maths pour savoir compter. Mais bon... et en plus, je suis souvent la tête dans les nuages. Non, mais tout ça, en effet, pour vous dire que j'ai vécu autant de temps en France qu'à l'étranger. Plutôt, en effet, c'était le côté de la formation, des études, et que je me sens une Française de l'étranger. Et j'avoue, là, je suis en train de ralentir pour dire non, j'ai pas besoin pour l'instant de rentrer tout de suite en France. Je dis attendons. Pourquoi ? Parce que je me sens très bien. Je me sens admirablement bien dans un pays dont, éventuellement, je ne comprends pas totalement la langue. Et quelquefois, je ne fais pas forcément l'effort. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que, comme ça, je reste dépaysée. Alors, ce n'est plus le cas en Italie, puisqu'en Italie, je suis bilingue. Mais quand les gens parlent arabe, ça ne me dérange pas du tout. Quand les gens parlent roumain, que je ne comprends pas à 100%, ça ne me dérange absolument pas. Je dirais même que je suis dans ma petite bulle. Je suis dans mon monde... et ça me convient tout à fait parce que je suis en relation avec l'autre et en même temps, ça me permet d'être un petit peu moi-même. C'est peut-être une défense. Hein, un psychanalyste ferait des tas d'études, j'en sais rien, mais ça, on va pas le faire. Moi, ça me plaît parce que ça me permet ce regard et d'avoir ce regard un peu aigu sur l'autre. Et dans les nouvelles, voilà, c'est ça, c'est... tout détail m'attire. Alors, en effet, je reprends ça que madame m'a parfaitement dit. Si je ne suis pas du tout attentive aux chiffres, je suis très attentive aux détails, à un objet, à une personne que je vais pouvoir saluer, à une couleur de cheveux, par exemple, que madame a. Enfin, vous voyez, c'est tout simplement des détails qui vous va très bien. des détails qui, à partir desquels, je vais construire une histoire, voilà. C'est-à-dire que à partir voilà, de la couleur de cheveux d'une personne que je vais avoir rencontrée, tout d'un coup, peut-être qu'une histoire va naître. Et ça, c'est... Voilà. Ou du pull, pour changer, ouais, du pull de bleu outre-mer de Sylvestre, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, la nouvelle, plus sérieusement, c'est l'attention aux détails, c'est l'attention aux mots, et c'est une très grande exigence. Un ami dans un autre recueil m'a fait une préface en disant Muriel Augry a une très grande exigence. Et pour moi, c'était évidemment un gros compliment, mais dans la mesure où c'est vrai, je travaille beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, mais pour les nouvelles, si vous voulez, ou pour les poésies, j'écris, mais si ça ne me convient pas, évidemment, je jette. Et puis, si ça me convient moyennement, je réécris jusqu'à temps que le mot soit exactement le mot que je veux. Quelquefois, c'est peut-être même un peu casse-pied, hein, parce qu'on est exigeant envers soi-même, comme on peut l'être hein, professionnellement envers les autres. Et puis, voilà. Et puis, ça donne un texte qu'on a envie de transmettre aux autres. Et pour conclure et finir avec donc les recueils de poésie, eh bien, c'est pareil. C'est toujours le mot qui m'interpelle. Comme j'étais attentive aux mots qui font des phrases, font des longues phrases et des paragraphes dans un nouvel, mes poèmes sont relativement courts, relativement concentrés. D'ailleurs, maintenant...
ils deviennent plus longs, j'ai un autre souffle. Mais c'est vrai que j'ai commencé par des poèmes très courts. Alors parfois, on les compare au haïku. Alors pas du tout, parce qu'il n'y a pas la forme du haïku. Mais il m'arrive de faire, oui, des poèmes de 3-4 vers ou d'une dizaine de vers maximum. Parce que j'estime que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Que si j'en dis plus, ça va tout d'un coup... J'allais dire noyer le poisson, c'est très familier. Ça ne va plus donner la force. Donc l'intensité est celle-là. Et donc c'est par rapport à des mots. Et donc là, différence de la nouvelle et de la poésie. La nouvelle, je l'écris quand j'ai un peu de temps, quand j'ai un week-end, quand j'ai un peu de temps devant moi. Quand j'ai envie d'écrire, le poème, je l'écris toujours à la suite d'une émotion. Émotion de douleur, émotion de joie. Et alors là, ça n'a absolument aucune, je dirais, aucune contrainte. Ça, je ne vais peut-être pas écrire pendant un mois parce que je ne sais pas que je ne ressens rien pendant un mois, mais c'est que pendant un mois, ça ne va pas être comme ça. Et puis tout d'un coup, oui, il y a un moment de ma vie qui fait que j'ai envie d'écrire. Et donc là, les poèmes. Donc c'est pour ça que j'alterne. Alors. C'est pour ça que j'alterne vraiment poésie et nouvelles. Et puis, je pense que c'est grâce à Valério ces temps-ci, et puis à d'autres amis critiques qui m'ont, alors pas réconcilié, pas du tout, mais qui m'ont dit, ben oui, finalement, il faut que tu écrives des nouvelles. Je les avais un peu laissées de côté, parce que j'avais moins de temps, mais simplement parce que oui, je les avais mis de côté. Et là, depuis quelques jours, ils me donnent une envie de me remettre à écrire des nouvelles, parce que c'est un autre genre. Alors voilà, comme je vous disais, il faut plus de temps, mais c'est ça qui me plaît. Et sachez que vous, comme je disais, vous pourrez me réinviter à Bacao parce que je vais écrire des nouvelles ici. Voilà, merci pour ce premier entretien. Mai vreți în românește sau în franceză? În germană? Bine. Deci 23 de ani în Maroc, în Italia și cu 2 ani în România fac 25. Da, da, eu am spus un sfert de vreo. Ah, merci beaucoup, merci. Cine? Despre cartea lui Silvestre. Vrei să spui? Da. Excuse me. Să vă spun totuși două vorbe și despre cartea lui Silvestre. Eu sunt un... mă consider un privilegiat al sorții. Într-o carte pe care am acasă, de vise, de zodii, chiar scrie undeva la zodia mea, sunt fecioară, va sta bine la oamenii mari. Ei bine... Chiar am stat bine la oamenii mari. Am plecat la drum, pe drumul literaturii premiat de Marin Preda, care m-a luat sub aripa lui și m-a îndemnat să trec și la proză. Și de-a lungul vieții, cine a fost la mine acasă știe că am, între bibliotecile pe care le am, am una cu câteva mii de volume dedicate de scriitori români și una cu vreo mie de volume dedicate de scriitori străini. Între scriitorii respectivi, fiind câțiva Lăsa și Marcheș, de exemplu, care au și premiul Nobel pentru literatură. Pe Gabriel García Márquez l-am cunoscut în Mexic datorită unui foarte mare poet, foarte mare poet, nominalizat de 4 ori la premiul Nobel, Alvaro Mutis, și ei erau prieteni din copilărie și așa am ajuns la el acasă. Și am cunoscut de-a lungul vieții, nu pot spun că am călătorit ca prietenul și colegul nostru din Bacău, care e pe toate meridianele și pe toate paralelele globului, dar după 90 am ieșit și eu din țară și am cunoscut câțiva scriitori, printre ei, vă spuneam, Alvaro Mutis și Evgeni Evtushenko, cu care am stat în Cuba o lună și m-am și certat de multe ori cu el, dar un personaj fascinant și un poet uluitor,
în această serie pe care v-am spus-o, pe care o deschide, să zicem, Alvaro Mutis și continuă cu Evgeni Evtushenko, eu îl socot, îl înscriu și pe Silvestre Clancier. Este la același nivel, este una din marile voci ale literaturii franceze de astăzi. Îl știam din nume, îi citisem cărți în franceză, nu tradusesem niciodată niciun cuvânt din el. Paradoxul este că avem aceiași prieteni literari peste tot în lume, am frecventat aceleași festivaluri de poezie, dar în ani diferiți și nu ne văzuserăm niciodată. Și într-o seară, Dinu Flămând, pe care îl știți și dumneavoastră, poetul Dinu Flămând mi-a dat un telefon și mi-a zis: Valeriu, cel mai mare poet francez în viață este Silvestre Clancier. Zic, îl știu, l-am citit. Zic, bine, tu știi, dar nu l-ai tradus niciodată. Eu acum sunt ocupat să traduc, terminase Fernando Pessoa, traducea Cesar Vallejo. Și zice, băi, te rog pe tine, tradui câteva poeme în limba română, că nu-i tradus în limba română. I-am scris lui Silvestre și l-am rugat să-mi dea niște poeme să traduc. El a alcătuit o antologie, deci din cărți diferite, dar de unitate uluitoare. Nu-mi venea să cred, eu am crezut că e o singură carte. Că poemele sunt într-o singură carte. Mi le-a trimis, este Le Corp de la Vie. Am tradus-o, am regăsit acolo o atmosferă fabuloasă din care toți ne-am desprins, deci atmosfera copilăriei, universul acela în care toți am vrea să ne reîntoarcem și nimeni nu mai poate. În plus, viața aceea unei comunități sătești, a unei comunități de spirit, o atmosferă de o frumusețe tulburătoare și am fost de-a dreptul încântat, bucuros, onorat să traduc acest volum. Când de acum îl invitaserăm să vină în România să-i lansăm cartea, în 2019 a fost tradusă cartea și a și luat premiul pentru cea mai bună traducere, cel mai bun volum de poezie în traducere românească. Silvestre, cu vreo câteva zile înainte de a veni în Cherianos, mi-a trimis o carte care i-a apărut atunci în Franța. Un volum pe care l-am avut în geantă până am ajuns aici, nu l-am mai găsit acum în geantă. Un volum uluitor, un volum care probabil în toamnă va fi lansat la Festivalul Poezia la Iași, pentru că mi-a mărturisit, după ce a ajuns la noi în România, mi-a mărturisit că s-a așezat într-o seară să scrie un poem. S-a așezat să scrie poemul și a ieșit cartea respectivă. Așa și eu m-am așezat acum vreo 5 zile, când am primit, nu mai mult, că vreo 5 zile sunt de când este el în România, acum vreo 20 de ani de sosirea lui, m-am așezat să citesc un poem, să văd ce fel, dacă s-a schimbat ceva în opera lui. Și m-am așezat să-l citesc unul și am citit toată cartea și am și tradus-o în cele două nopți. N-am cizelat decât primele 15 poeme, le-am și citit împreună cu el. Și vă pot spune că atmosfera din Corzile Vieții nu numai continuă, nu numai că se regăsește în noua carte, dar este aprofundată, este trăită, retrăită la o maximă intensitate, pentru că volumul despre care vă vorbesc, o privire nesfârșită, o privire infinită, în regal infinit, și ne pat un volum de... Voilà. Ei bine, această carte este un omagiu adus tatălui său. Pentru că acum o să vă fac o mărturisire. Silvestre Clancier a ajuns unul din cei mai importanti scriitori francezi și una din marile voci ale poeziei franceze
pornind pe drumul literaturii cu un handicap extraordinar. Este fiul unuia dintre cei mai cunoscuți și mai citiți scriitori francezi. Și atunci, mersi, dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că cel puțin în literaturii, în literatură, urmașii nu se ridică la înălțimea înaintașilor. Ce să facem? Singura excepție din literatura română pe care eu o consider cu adevărat excepție și este în familia Caragiale, unde Craii de Curte Veche este o capodoperă. Dar în rest, celelalte încercări au ieșuat, au dat rateuri. Ei bine, Silvestre Clancier a ajuns, importantul scriitor Silvestre Clancier, prin harul său, evident moștenit de la tată, dar prin propriul talent, prin munca lui, prin activitatea lui, s-a emancipat de numele pe care îl purta și astăzi, de fapt nu de astăzi, de multă vreme, el în Franța nu este fiul lui Emmanuel Clancier, ci este scriitorul Silvestre Clancier, una din sensibilele, frumoasele, tulburătoarele voci ale poeziei franceze. Poezia nu se povestește, n-am ce să vă mai... Evident, și de asta vreau să le și dau microfonul ca să poată să vă citească, să vedeți cât de frumoasă poezie scriu acești doi oameni. Vă mulțumesc tare mult! Bien, monsieur le président de l'Union des écrivains de Bacau, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Je suis très sensible d'être invité conjointement à Muriel Augry-Merlino, qui est notre directrice de l'Institut Hayashi. C'est très important que cet institut soit soutenu, développé, animé avec beaucoup de cœur et d'énergie, comme vous avez pu le comprendre et l'entendre, par une personnalité forte qui sait concilier à la fois sa fonction diplomatique et culturelle et en même temps son talent d'écrivaine et de poète. Donc, je vais peut-être vous faire sourire, mais quand j'étais enfant, je lisais comme tous les bons petits garçons en France, les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, etc., etc. Donc, j'avais une grande admiration pour Alexandre Dumas, père. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait 20 ans après la suite, le Vicomte Barchet, qu'il y avait aussi Alexandre Dumas fils, je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça. Alors, quand je savais bien que mon père était écrivain romancier, je me suis dit, mais donc, finalement, la littérature, ça peut marcher de père en fils. Donc déjà, j'étais assez content. Je me suis dit, tiens, voilà. Après, j'ai un peu grandi, j'ai lu des choses plus subtiles, plus... Enfin, c'est remarquable, hein, ce qu'a écrit Dumas père et l'ensemble de l'œuvre de père et fils est très intéressante. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait un écrivain que je trouvais remarquable et très, très fin, Crébillon fils. Donc, je me suis dit encore, quel encouragement, Crébillon fils. Et d'ailleurs, comme je commençais à être plus érudit, plus instruit, je commençais à terminer mon lycée, et puis j'allais bientôt aller à l'université, j'avais remarqué qu'on attribuait plus de qualité à Crébillon fils qu'à Crébillon père, qui emmerdait tout le monde avec ses pièces de théâtre, ses trucs qui étaient plus à la mode. Je me suis dit, c'est embêtant, parce que mon père, qui est très à la mode, si un jour il ne devient plus à mode, il n'est plus à la mode, alors il n'y aura plus de Clancier écrivain. Donc il faut que moi, en tant que fils, je relève le défi, j'écrive aussi, parce que Crébillon fils, il m'encourage. D'accord, voilà. Donc, mais c'est sérieux, ça. C'est vrai que ça m'a paru presque normal qu'il y ait dans des familles des lignées d'écrivains. J'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup la musique. J'avais la notion que chez les Bachs, tout le monde était musicien. Le grand-père, les oncles, le père, le grand Jean-Sébastien Bach, et que ça continuerait. Chez Mozart, je me disais, mais qui est le plus doué? C'est le petit, c'est pas le père, Mozart. C'est un génie. Alors je me dis, bon, je n'ose pas me prétendre équivalent en littérature à Mozart, qui est le grand Mozart. Mais le père, il a tout fait pour que son petit garçon, il devienne celui qu'il est devenu. Et il l'embêtait à 4 ans au piano, tout ça. Et il étonnait toutes les cours européennes. Le petit Mozart, c'était une vedette. Et donc, moi, j'étais encouragé par des exemples comme ça. Et on peut dire la même chose chez les peintres. Il y a des familles de peintres. Bon, il se trouve que j'avais une mère qui, elle, n'était pas dans le même registre que mon père en littérature. Elle était médecin.
Et médecin très, très avancé, parce qu'elle a eu ce doctorat de médecine avant la guerre, en 1939, ce qui, à l'époque, pour les femmes, c'était important. Il n'y a pas beaucoup de femmes médecins. Elle a fait toute une belle carrière. Et donc, je me disais, finalement, rien n'est anormal, tout est possible. Et puis, je n'avais pas spécialement non plus envisagé d'écrire avant de commencer à écrire. Mais finalement, ma mère a eu plus d'influence pour cela que mon père, par rapport à la poésie, en tous les cas. Parce que ma mère aimait beaucoup le théâtre. Elle faisait du théâtre en amateur pour son plaisir. Elle en avait fait quand elle était jeune. C'est d'ailleurs ça qui a séduit mon père. Il était tombé amoureux de ma mère parce qu'il disait on vivait à Limoges. C'est une ville de province qui a certes beaucoup de qualités. Ce n'est pas Paris. Mais elle est connue pour la porcelaine, Limoges, dans le monde. Mais disons, il y avait un petit milieu culturel qui n'était pas aussi important, évidemment, que celui qui existe à Paris. Mais ceux qui étaient artistes ou qui avaient le goût des arts et des lettres à Limoges, avant la guerre, c'était des gens formidables, parce qu'ils se voyaient un peu comme ça, une vingtaine, on va dire, comme ça, et ils se stimulaient les uns les autres. Donc c'est là que mon père a rencontré ma mère, donc comme ça, comme une soirée comme ici, et il a été ébloui par le fait qu'elle était excellente comédienne, mais c'était pas un métier, c'était sa vocation, elle faisait ça comme ça. Donc, alors le théâtre, et elle, la poésie. Mon père, qui à l'époque, quand elle l'a connu, il n'écrivait pratiquement pas, pour des raisons, il avait eu la tuberculose, il avait dû arrêter ses études, il faisait des efforts pour reprendre pied dans la vie, comme on dit, et c'est peut-être ça qui l'a sauvé, parce qu'il n'a pas été faire la guerre, la dernière guerre, parce qu'il était tuberculeux. Il a fait de la résistance autrement, après, parce qu'il n'a pas été soldat. Et donc, pendant la guerre, il a eu son rôle aussi, avec d'autres intellectuels. Mais avant, il écrivait un peu comme ça. Et c'est ma mère qui l'a encouragé. Mais tu as un don, tu dois écrire, etc. Pourquoi ? Parce que elle, la poésie, elle la connaissait mieux que lui. Elle connaissait par cœur des poèmes de Baudelaire, des poèmes de Chénier, des poèmes de Hugo, de Nerval, de Mallarmé. Ma mère est morte il y a 6-7 ans maintenant, à l'âge de 101 ans révolu. Et 2-3 mois avant sa mort, ma mère, qui avait toute sa tête, qui était très brillante, me récitait à moi, comme elle l'avait fait souvent dans sa vie, pour me montrer que c'était toujours aussi important, la poésie. Elle était très heureuse que je sois devenu ce que je suis devenu. Elle lisait mes livres, elle me les commentait, etc. Elle me les commentait, elle me les lisait avant mon père. Il était jaloux. Pourquoi ? Alors, après, il les lisait, il me les commentait aussi, c'était assez intéressant. Et elle me récitait ses poèmes par cœur, des sonnets de Mallarmé, des poèmes de Nerval à 101 ans. Mon père et moi, on n'a pas cette mémoire aussi prodigieuse pour la poésie. Pourtant, on baigne dans la poésie, mais c'est parce qu'elle avait fait du théâtre et qu'elle a une excellente capacité à mémoriser. Puis elle aimait le dire, elle disait ça très bien. Donc tout ça pour vous dire comment est-ce qu'on devient écrivain, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a eu autre chose aussi qui a fait que j'ai la chance d'avoir été... Après le baccalauréat, j'ai fait des études supérieures. On m'a poussé vers l'école normale supérieure. Donc, j'étais au lycée Henri IV, qui est un bon lycée parisien. Je me suis retrouvé dans la classe d'Hippocagne, comme ça, à côté de Patrick Modiano. Patrick Modiano, à l'époque, c'était mon copain, mon ami. Il y restait, d'ailleurs. Bon, j'ai vu que lui, il avait une vocation. Il voulait absolument publier son premier manuscrit. Il avait ça sous le bras. Et il me parlait parce qu'il savait que moi, j'étais le fils d'un écrivain. Donc, il disait, mais quelle chance il a, lui. Moi, si j'avais un père écrivain, j'ai le père que j'ai. Et on voit, ceux qui ou celles qui ont lu Modiano voient les difficultés qu'il avait avec son père, lui. Moi, j'avais pas de difficultés avec lui. Mais lui, son père, c'était Monsieur Modiano, qui faisait son commerce, son trafic. Et c'était un peu bizarre pour lui. Enfin, si vous avez lu Modiano, j'ai pas besoin de développer. Vous savez ce qu'il a écrit par rapport à son père. Voilà. Et donc, Modiano, il était là, il me disait, Sylvestre, tu sais, comme ça, tout à l'heure, je vais aller chez Gallimard parce que Raymond Queneau me reçoit. Raymond Queneau, je lui disais, je le connaissais bien, c'était un grand ami de mon père. Je lui disais, oh, mais c'est très bien, il avait la trouille. Je lui disais, mais t'en fais pas, il est marrant, il est sympa, il va t'impressionner, il va faire un peu son rire, ha, 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 comme ça. Mais tu vas y aller, c'est bon. Il va t'aider, il est gentil comme tout. Il va dire ce qui va pas, il va t'aider à ranger ton livre. Tu crois ? Il me disait comme ça. Il est Modiano, 1m98, très grand. Bon, je suis pas très grand. D'ailleurs, quand on se retrouvait dans la rue, il était gentil, il descendait du trottoir, et moi, je mettais sur le trottoir, parce que si c'était moi. Et comme ça, ça allait à peu près. Donc, il était déjà comme ça. Et on était très amis, hein. On est restés. On se voit moins, mais bon, parce que c'est la vie. Depuis qu'il a le Nobel, alors il est tellement sollicité. Mais donc,
il avait envie d'entrer en littérature tellement, tellement. Et moi, ça me faisait plaisir. Donc, voilà. Donc, je connais plein de choses sur Patrick, de Patrick, qu'il n'a même pas mis dans ses livres. Il prend des choses un peu comme ça. Mais il en écrira peut-être un bout, un morceau. Mais il y a des choses qu'il cache, des choses qu'il invente, des choses qui sont vraies, des choses qu'il ajoute. Parce que c'est ça, l'art du romancier. Voilà. Donc il a eu le Nobel, c'est très sympa. Moi, je suis très content pour lui. Et figurez-vous, alors ça, c'est vraiment touchant de sa part. En 2003, on me dit, j'avais déjà publié pas mal de livres, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, évidemment, c'était il y a 17 ou 18 ans. Je le rencontre à Paris, au jardin du Luxembourg, parce qu'il habitait pas loin, là, rue Bonaparte. Bon, c'est tout près. Moi, je traversais à pied. J'aime bien marcher dans Paris. À pied, lui aussi, d'ailleurs. Vous le voyez bien dans ses romans. Moi, je marche beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça que ses romans m'ont toujours plu, parce que j'aime beaucoup Paris comme lui. Et, oh, me dit Sylvestre, qu'est-ce que tu fais? Alors, on s'installe, comme ça, on parle. Il y avait des chaises, on s'installe. Alors, mais bon, alors, Patrick, c'est comme ça, il parle, vous l'avez déjà vu à la télévision, Patrick, il parle un peu comme ça, un peu émotif, un peu comme ça, il finit pas ses phrases, il ouvre une parenthèse, termine pas la parenthèse, bon, je le connais bien, alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bien, je lui dis, écoute, c'est une grande joie pour moi, nous sommes aujourd'hui le 19 juin, c'est mon anniversaire, bon anniversaire, non, c'est pas ça, je lui dis, ça tombe bien, on m'attend à la Société des gens de lettres, où siège l'Académie de l'armée, et je vais être intronisé membre de l'Académie de l'armée, et ça me fait très plaisir. Oh, il était comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, la poésie. Oh, mais c'est formidable. Mais sous-entendu, comme j'aimerais être à ta place. Mais c'est vrai, il était sincère. Parce que pour lui, Patrick Modiano, c'est un poète, en fait. Il adore la poésie. Mais oui, il adore la poésie. Il la met au-dessus de tout. Et il m'a dit, mais... Oh, oh, c'est formidable, et ça, il était tout. Alors, bon, mais tu vas être en retard. Je lui dis, non, on peut parler. Oui, on peut encore parler, ça va. Mais il voulait, parce que lui, quand on le rencontre, Patrick, il faut tout arrêter et on va parler. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il est là avec la personne qu'il rencontre, s'il a envie de lui parler, donc ça peut durer des heures. Malheureusement, parfois, lui ou moi, autre chose à faire. Lui, il va oublier un certain temps. Moi, je suis peut-être un peu plus les pieds sur terre, bien que je sois poète. Et donc, je lui dis, bon, alors, ça, c'est Patrick. Bon, alors, je ne vous parle pas de moi, oui, je vous parle de Patrick, mais ça me fait plaisir parce que je l'adore. Alors, il me dit, il fait ça toujours avec les amis quand il les rencontre. Il dit, bon, alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on se voit. Et en fait, jamais de rendez-vous, c'est pas possible, on n'a jamais un rendez-vous fixe avec Patrick, je le sais très bien. Je lui dis, mais non, Patrick, demain, moi, je ferai ça, toi, tu feras ça. Non, on va faire. Et en fait, on sait bien que c'est pas possible, vous voyez, c'est comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, alors, je vous ai parlé beaucoup de Patrick, mais j'aime beaucoup cet homme, son œuvre, et je suis très heureux de ce prix qu'il a eu. Voilà. Bon, alors, je me suis mis à écrire, quand j'étais très jeune, des petits textes, plutôt des petites fictions comme ça, fantaisistes, pas dans le même style du tout que celle que j'apprécie beaucoup de Muriel Augris. Des petites fictions que j'appelais des micro-fictions ou des nano-fictions, qui sont plutôt des sortes de fables, des fables un peu imaginaires. J'appelais ça d'ailleurs aussi des psychospectives, c'est-à-dire des perspectives psychologiques un peu funambulesques. Pourquoi? Parce que j'étais... beaucoup en admiration, et j'aimais énormément tout ce qui dérivait de la fantaisie nervalienne, après rimbaldienne, et puis aussi des hommes et du grand jeu, les surréalistes, etc. Philippe Soupeau. J'ai eu la chance, vous avez compris, c'est une chance. Je m'en rendais quand même un peu compte, mais à moitié compte quand même, quand j'étais adolescent, de pouvoir rencontrer, figurez-vous, que j'ai été chez Zara avec mon père. Chez Zara, j'étais tout jeune. Zara, c'est formidable pour moi. Je m'en souviens très bien. Et ça m'a beaucoup apporté. Ionesco, je l'ai rencontré plein de fois. Et il était tellement extraordinaire et touchant. Et d'autres, bon, alors, c'est une chance, mais je le sais aujourd'hui. Mais pour moi, c'était comme rencontrer ma famille. Donc... vous voyez, donc je n'ai aucun mérite. Je veux dire, c'est quelque chose en plus, je ne savais pas. Maintenant, je sais mieux. Voilà. Bon. Et voilà, donc j'ai écrit après des poèmes, et des essais sur la poésie, etc. Des essais. J'ai participé à des films, j'ai réalisé beaucoup d'anthologies, mais ça, c'est normal parce que je me suis engagé bénévolement pour
faire connaître des poètes, pour faire connaître la poésie. Pour... Donc j'ai accepté des fonctions électives, comme vous d'ailleurs, à la Société des gens de lettres, où j'ai fait 4 mandats de 4 ans comme un des administrateurs bénévoles pour m'occuper non seulement de la poésie, mais de la francophonie. Donc ça explique l'importance que j'accorde à ce qui est fait ici et par vous, par Muriel, etc. Les affaires étrangères, comme ça marchait bien, parce que j'étais capable quand même de comprendre aussi d'autres langues, mes amis de la Société des gens de lettres me poussaient en me disant « Nous, on n'y comprend rien, l'anglais, à d'autres langues, l'allemand, tu comprends quand même pas mal, l'anglais, tu le parles très bien. » Je dis « Oui, mais c'est le français que je défends, attention. Hein. » Donc je, oui, mais nous, on est incapables, même si on nous parle en anglais, parce qu'on ne comprend rien. Il faut que tu nous défendes au niveau européen. Je dis, oui, vous êtes bien gentil, je m'occupe déjà des affaires comme si... Ah, si. Il faut que tu te présentes. Ils m'ont poussé à me présenter à ce qui s'appelle en anglais, parce que c'est à Bruxelles, et que, hélas, à Bruxelles, on préfère parler l'anglais au français. European Writers' Council. Bon, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ce truc-là ? Bon. Alors, il y avait tout un truc qui était organisé à Marseille, forum, un gros truc où il y avait tous les écrivains d'Europe qui venaient, pas simplement les écrivains de l'Union européenne, mais tous les pays du Conseil de l'Europe, ça fait beaucoup plus de pays, et il fallait porter sa candidature. Il fallait parler dans sa langue, mais il fallait parler en anglais aussi. Bon, j'ai un peu préparé mon affaire, j'ai parlé en français, et après, pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai parlé aussi en anglais. Alors là, tout de suite, c'était déjà un Français qui fait l'effort de parler anglais. Bon, je ne devrais pas le dire, mais bon, j'ai fait cet effort pour faire plaisir à mes amis. Bon. Et après, j'ai fait un certain nombre de choses, je les ai fait rire. Bon. J'ai surtout été, parce que c'est mon caractère, parler à la table de chacun. Il y avait beaucoup de monde, c'était un colloque littéraire, il y avait beaucoup d'écrivains qui allaient voter aussi. Mais je ne le faisais pas pour avoir les suffrages, je le faisais par curiosité. Ils l'ont senti. C'était pas... D'ailleurs, j'avais oublié même que j'étais candidat. Donc, j'allais à la table, ils me donnaient à boire, je buvais avec eux. Parfois, il y avait les Norvégiens, il y avait les Suédois, il y avait les Anglais, tout le monde. Ah, ils se sont dit, celui-là, il est sympa, il boit avec nous. Parce que les Européens du Nord, ils sont particuliers. Hein, ils sont plutôt protestants. Comme ils ont dû renoncer, au fond, je comprends, j'ai compris, ces gens-là. Ils ont renoncé à ce que leur langue, le Suédois, la Suède a été un immense pays autrefois. Moi, je connais bien l'histoire, ça m'intéresse. Donc, je savais ça. Mais tout le monde n'est pas conscient de ça. Je sais que la Pologne aussi, à un moment donné, a été un grand pays. Donc, etc., etc. Je sais que la Roumanie a eu... Bon, et voilà. Et donc, moi, je respecte beaucoup les autres. Et donc, ils ont vu que je... Mais ça... et ils ont dû prendre l'anglais comme presque langue officielle. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas que c'est français. Et c'est de l'arrogance pour eux. Ah, c'est français sous prétexte que leur langue a été la langue des lettres. Ils continuent. Bon, moi... Je fais un effort, je leur parle. Et donc, j'ai été élu, je ne sais pas, j'ai eu toutes les voix quasiment. Les concurrents, ils n'ont rien eu. Et après, j'étais embarqué dans ces histoires. Alors ça, c'est un peu moins drôle. Il faut aller à Bruxelles, il faut rencontrer des gens. Monsieur Barroso, tous ces gens-là. J'ai fait un peu le travail que tu fais, mais bénévolement. Toi, tu es payé. Moi, je ne le faisais pas pour des raisons lucratives. De toute façon, je faisais ça pour défendre la conception qu'ont les Français, partagée avec les Allemands, d'ailleurs, et avec les pays latins de l'Europe, de ce qu'on appelle, c'est grâce à Victor Hugo, Balzac aussi, Beaumarchais, la conception du droit moral. Qui n'est, l'auteur, ce n'est pas qu'une question d'argent, avoir ce que les Américains ou les Anglais appellent les royalties. Non, nous, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on a une œuvre, on est un auteur. Auteur, c'est quelque chose, auteur, octor, ça, vous connaissez le latin. Et donc, ça veut dire qu'on est responsable de ce qu'on écrit. Et personne ne peut découper ça ou le prendre et dire, sous prétexte que ça a été publié dans un journal ou autre, maintenant on va le reproduire sans votre autorisation. Non, on doit demander l'autorisation à l'auteur ou à ses ayants droit s'il est mort. Il y a un respect pour l'œuvre, on défend des valeurs morales, on défend la propriété intellectuelle aussi, etc. etc. Donc c'est tout un conflit de fond qu'on a en Europe. Et nous, les Français, on est à la pointe de la bataille, on défend ça contre le système américain du copyright, etc. Pourquoi ? Parce que je vous apprends rien. Sinon, on subordonne les gens écrivains aux desiderata commerciaux et financiers des grandes firmes, parce qu'aujourd'hui, les grandes maisons d'édition, elles sont toutes des monopoles. C'est financier. Je ne vous fais pas un cours d'économie. C'est insupportable. Si en plus... on passe sous un régime qui ressemble ou qui devient l'équivalent du copyright, c'est fini. Donc nous, on est les héritiers de Victor Hugo, de George Sand,
de Balzac, tous ces gens-là. C'est pour ça que j'ai été à la Suisse, ces gens-là, parce qu'on reprend leur combat. On doit défendre des valeurs, on doit défendre des principes. Donc voilà, j'essaye de le faire à ma manière, modestement. Et je vous remercie, je suis trop long, je parle d'autre chose que de mon œuvre, mais ça m'est égal. Mon œuvre, c'est mon œuvre. Bon, mais si vous avez la gentillesse de le lire, ça me fait plaisir. Mais bon, de toute façon, je ne peux pas m'empêcher de continuer à écrire ce que j'ai envie d'écrire. Donc, mais c'est agréable d'être reçu par des gens comme vous, de qualité, et qui sont attentifs. J'ai noté tout à l'heure que M. Mihai Botez, ça m'a beaucoup touché, qui nous a offert des livres, d'une part, et qui m'a offert personnellement, dédicacé personnellement, son livre fait après sa thèse, mais sur Mallarmé, c'est quand même quelqu'un qui est un grand spécialiste de Mallarmé, je suis très touché, m'a dit qu'il avait déjà lu cette anthologie et que, si, avec votre permission, il pourrait dire quelque chose à ce sujet. Est-ce qu'on peut lui permettre de dire quelque chose à ce sujet? Alors, avec plaisir, monsieur. Avec plaisir. Je veux le faire par une déformation professionnelle, je le dis. Bon, merci. Pas beaucoup, deux feuillets. Parce que je ne connaissais presque rien de la création de ce grand poète. Et lorsqu'on parlait du Nobel de Modiano, j'espère qu'il aura enfin fait quelques démarches introductives pour un successeur, un ami. Bon, alors, ce que j'ai noté à propos de ce que j'ai lu tout récemment, grâce à un envoi de Curiel. Bon, merci. La lecture récente d'un florilège poétique de l'homme de lettres universitaire français, Sylvestre Clancier, m'a fait souvenir en premier lieu d'un autre grand poète français du pays de Pétrarque, cette fois le Vaucluse provençal, à savoir René Char, et du titre d'un de ses poèmes en prose très bien connu, « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ». Je me permets d'en citer de mémoire le dernier paragraphe. « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible avec toi. » En quel sens je fais là ce renvoi? Je m'explique. Ce n'est pas pour rappeler ici et maintenant les mérites de ce poète surréaliste à sa façon et combattant sous le nom de capitaine Alexandre en tant que résistant contre l'envahisseur allemand en 1943-44. Il ne s'agit pas de cela pour le moment, mais tout juste pour le paraphraser, selon ses propres dires. Et ceci donnera à peu près ce qui suit. Vous avez bien fait de revenir dans le Limousin, Sylvestre Clancier. Nous sommes plusieurs à croire, documents poétiques en main, le bonheur de la poésie retrouvé juste là. Non que j'aie une connaissance élargie de l'œuvre généreuse, en tant qu'ampleur aussi, une bonne trentaine de titres du poète si présent, ce qui m'aurait permis d'en parler à bon escient, mais le peu que j'ai eu sous les yeux a suffi pour me convaincre de plusieurs choses marquées du signe plus, donc positif. Longtemps, on a cru que la poésie, tout comme la sainteté, l'amour ou les terrains aurifères, était immanquablement du domaine du lointain et qu'il faudrait faire comme l'Ulysse de Joachim du Bellay, un long voyage, pour la plupart un assez pénible aussi, pour s'en rapprocher et s'en reconnaître heureux finalement. Le contemporain de Ronsard, étoile encore visible de la Pléiade renaissante, reconnaissait que les célébrités locatives romaines, tant prisées sur les entrefaites, en dépit de leur aura culturelle nec plus ultra, ne l'inspirait pas trop en poésie, et que, plus proche de son cœur, était son modeste Anjou natal. Aussi se sentait-il plus porté à chanter la douceur angevine qu'à magnifier les vestiges fameux qu'il avait pour décor journalier à ses fonctions à remplir à Rome.
Pour ne pas m'apesantir sur trop d'exemples, je m'esquiverai pour une fois devant les offres du démon de l'analogie et filerai tout droit vers ce qui me tardait de dire depuis déjà de bons moments. La rentrée au Bercail Limousin comme source d'inspiration poétique de Sylvestre Clancier s'est avérée une formule tout heureuse comme démarche et comme résultat à la fois. Entre une tradition du bon aloi où s'abreuve son inspiration première et une formule de la modernité dont les échos ne finissent pas de se prolonger, les filons de la poésie proposés par cet excellent poète mettent à jour une sensibilité plutôt rare entre les littéraires du moment. Sa démarche poétique nous fait souvenance des psalmodies du chantre de la Meuse endormeuse, le poète exquis Charles Péguy, victime de la Grande Guerre d'il y a plus de 100 ans, mais peut-être plus encore de Francis Jammes ou de Jean Follin, son patron spirituel du bar de Limousin, et dont il semble avoir pris la relève. En témoigne la nostalgie dont il s'enveloppe en retournant au bon vieux temps dans une contrée géographique et qui constitue sans faute sa patrie d'âme, celle où, je cite, « la règle et la mesure étaient le pain quotidien ». C'était un temps béni, fait de saisons durables, et où le passage des jours rythmait plutôt celui de l'éternité. Maître d'une pareille emprise, ce nouvel olympio-yougolien eut pu à son tour s'exclamer comme Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. Cette sienne poésie, relayant souterrainement au bucolique de Virgile, nous convie dans un jardin des délices plutôt sobre, fait de simplicité iconique et de grâces évocatoires, campant le décor familier d'autrefois, peuplé de collines entrevues par-dessus le tilleul, châtaigneraies, futaies abritant la fougère, et centaines de coins de nature défiant l'oubli et ressuscitant le monde émerveillé d'une enfance sobre et heureuse en même temps. En être séparé, sevré, dans la débâcle des années, est ressenti comme une blessure vive. Et c'est au poème de l'en guérir, à travers ce devoir de conscience, de tout faire revivre par le chant de la redécouverte, même à distance dans le temps et dans l'espace. Point n'est besoin pour faire ressusciter et leur infuser survie et réalité en tant que telle, de recourir au sortilège proustien par le truchement des caprices de certaines mémoires involontaires. Tout ceci n'était pas enfoui dans un temps perdu, mais logé dans les fibres mêmes de sa chair, à l'abri de toute solution de continuité menaçante. Ces souvenirs n'avaient jamais déserté sa mémoire, mais y constituaient à perpétuité un stable trésor. Je reconnais ma dette à Paul Valéry pour ce syntagme de son cru. Il suffit de s'adonner à des offices solennels, à l'instar d'une liturgie poétique célébrant l'incarnation, pour faire revivre tout ce pan du décor, autrefois comme aujourd'hui, inextricablement mêlé à son existence. Il n'en faut pas plus pour instituer le miracle de joyeuses et belles retrouvailles. Le poète se perçoit en tant que maillon de continuité entre ses ancêtres et lui-même, tel qu'il ressort des vers dont je clôt mon clin d'œil sur cette authentique offre littéraire qui a tous les atouts d'un régal. Je cite « Tout ce poids de l'histoire qui est celle des tiens, paysans de naguère, tu le sens dans ton cœur, en haut de courbe fille, en haut de mon gargant. » Merci de votre attention. Da, mulțumim domnului Mihai Botez. Altcineva care vrea să mai spună, să întrebe?
dintre invitați, dintre cei dintre scriitorii băcăvani, dacă doriți careva să mai interveniți, vă rugăm tare mult. Dacă nu, vă propun să ascultăm în lectura autorilor câteva poeme. Ok? Madame Muriel. Așa. Je vais vous lire quelques poèmes de ce texte. À chaque fois, oui. Alors, ce texte est composé de deux volets autour des femmes. Les femmes du passé, elles étaient, et les femmes de demain, donc elles seront. En deux mots, c'est un ami psychanalyste qui m'avait envoyé des gravures assez, j'allais dire, un petit peu étranges, qui avaient suscité mon attention. Et à partir de celle-là, j'ai écrit un texte sur la femme, sur la féminité, sur celles qui ont fait le passé. Je sais pas, c'est difficile d'avoir le micro. Il faut bien le micro parce que je... Pourtant, je pourrais parler fort. Elles étaient cohortes, dans la clarté des siècles d'hier, vêtues de fils d'acier, les chevilles gantées dans des goussets de plomb. Ele era în cohorte, în claritatea secolelor de ieri, îmbrăcate în sârmă de oțel, cu încheieturile înmănușate în buzunare de plumb. Elles étaient une, deux, cent, à l'ardeur plurielle, fières de leurs atours, lance à la main, elles allaient à l'assaut de désirs vrombissants. Erau una, două, o sută, cu multiplă înflăcărare, mândre de gătelile lor, cu sulița în mână, porneau la asaltul dorințelor vibrante. Elles avaient rivé au poing l'audace de l'être. Își înlănțuiseră în pumn îndrăzneala de a fi. Architecte de vie entremêlée, elle bâtissait des cabanes au plus haut des sommets. Arhitecți de vieți amestecate au înălțat cabane pe vârfurile cele mai înalte. Elles avaient pour voisins des oiseaux de lune aux plumes acérées. Aveau ca vecini păsări de lună cu penele ascuțite. Elle portait dans le dos des parchemins aux enluminures feu. Purtau pe spate suluri de pergamente înaripate cu miniaturi de foc. En équilibre, elle somnolait pour mieux savourer les gouttes de réveil. În echilibru, somnolau pentru a savura mai bine fărâmele de trezire. Brûlante était leur conquête, éphémère victoire dans le cri de la nuit éventrée. Arzătoare erau cuceririle lor, efemere victorii în strigătul nopții sfâșiate.
Elles avaient décidé de tailler les jours les uns après les autres et de franchir à califourchon les frontières. Se hotărâseră să-și dăltuiască zilele una după alta și să treacă granițele călare. D'ouest en est, elles écrasaient les obstacles et goûtaient l'acide saveur du soleil levant. De la vest la est, zdrobeau obstacole și gustau savoarea acidă a răsăritului de soare. Femme de l'aube, guerrière du crépuscule, elle rejetait de l'identité le carcan. Femei ale zorilor, războinice ale crepusculului, respingeau din identitate carcanul. Voilà. Un grand merci à mon traducteur et ami Valerio Stanco. Voilà. Le volume, vous voyez, se présente ainsi, c'est-à-dire il y a en général 3 ou 4 vers que j'ai écrits, puis traduits par mon ami Valerio, et à chaque fois une image, disons, qui illustre, puisque c'est dans l'autre sens. Voilà. Merci beaucoup. Et la deuxième partie, c'est « Elles seront ». Donc, faudra. Merci, merci. Votre sélection de la poésie parce que je l'ai reçue envoyée par notre président j'étais sincèrement touchée par le message et les dernières vers de la volume m'a touchée profondément parce que il est exactement mon credo de la poésie. Il disait comme ça. De leur oncle poli, les femmes traceront la carte du devenir. Je crois comme ça. Parce que les femmes ont la puissance, la sagesse de préserver et le courage aussi. Et le courage, et le courage de préserver les valeurs du passé, je crois. Les valeurs qui sont plus en plus. Merci. Oui, je veux répondre à madame parce que je vous regardais tout à l'heure et. Et je voyais quelque chose aussi qui passait dans le regard. Et je suis très, très heureuse parce que je dis toujours que je n'ai pas appartenu et je n'appartiens pas à un courant féministe dans le sens du politique du terme, si vous voulez, pour certains excès que je n'ai pas apprécié et que je n'apprécie pas maintenant. En revanche, oui, je suis absolument pour le combat pour le rôle de la femme au quotidien. Nous portons énormément de choses sur nos épaules. Nous avons des familles, nous sommes maintenant des femmes engagées. Donc il y a toujours quelque chose. Et ça, je me suis sentie très proche dans les pays où j'ai été, qui étaient souvent des pays où la femme avait peut-être un rôle un petit peu parfois derrière l'homme, mais qui travaillait énormément. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup le lien que l'on peut tisser, voilà, dans l'égalité des sexes, absolument, pas dans la rivalité, pas dans le combat, hein, nous sommes faits pour nous entendre, pour vivre ensemble, mais il y a un fil conducteur, et c'est vrai que ce texte, finalement, je l'aime bien, c'est vraiment un credo, c'est vrai, c'est un credo, je crois en ce que nous avons fait, et quand je vois ma fille à 29 ans, voilà, elle découvre des tas de choses. Elle a un autre type de féminité qui n'est pas le mien, d'ailleurs. Mais
c'est très bien. Elle découvre aussi d'autres choses. Elle continue, comme nos filles continuent. Mais il y a toujours quelque chose qui passe de femme à femme, de grand-mère, mère à fille. Et puis, et je crois beaucoup, j'ai dit d'est en ouest, je crois énormément, justement, à... voilà, je me sens proche de vous toutes, mesdames. Je suis sûre que moi, j'aimerais bien m'entretenir avec vous parce que on partage plein de choses dans notre cœur. Et la poésie, c'est ça. C'est les souffrances qu'on a, c'est les émotions, c'est tout ça. Donc, merci énormément, madame. Vos préfixes hétéro, hétéro, hétéro. Là, continue. Monsieur, c'est le reste. D'abord, je tiens à vous remercier, madame, parce que je partage tout à fait votre point de vue, tout en étant un homme. Et d'ailleurs, ça a beaucoup fait sourire et je me suis fait un peu taquiner par mes confrères écrivains au sein du PN Club International, parce que pendant des années, j'ai été le seul homme à aimer assister et participer aux dialogues et aux discussions avec les écrivaines et les auteurs, autrices, on dit maintenant, ou poètes femmes de ce comité, et elles étaient contentes, j'étais le seul homme avec elles, parce que je trouvais que c'était important de marquer l'intérêt qu'on porte à leurs engagements, leurs combats, leurs droits, bien sûr. Alors là, je vais lire quelques poèmes qui sont du registre qu'a mis en évidence, et j'y suis très sensible, et je tiens à vous remercier vraiment très sincèrement. Ce que vous avez dit m'a beaucoup touché, parce que c'est tout à fait, votre lecture est tout à fait juste et sensible, donc j'y suis sensible. Voilà, je vais lire un ensemble de petits poèmes très courts qui forment un... finalement, et je demanderai à mon ami Valeriu, vers la fin, de lire en roumain les deux ou trois derniers passages, je te donnerai les pages, d'accord. Merci. Au fin fond du village, nul ne s'attarde. On entend la cloche sonner. Le curé est au fond du verger. Sa bonne prépare le souper. Un merle s'enfuit dans la haie. Un vieux chien passe sans aboyer. La nuit ne va pas tarder. C'est l'hiver au village. Des écoliers jettent des galets dans la mare jusqu'à l'heure de rentrée. Il fait déjà noir. Une mère appelle l'un d'entre eux. Le garde champêtre range une bicyclette dans le fond de la cour. Le temps en garde le secret. L'unique forgeron du bourg attend encore l'ouvrage dans son vieil atelier. On entend un train siffler. De la gare revient le vieux curé accompagné d'un novice. Il salue de la tête la mercière et le boulanger. L'avenir se cache derrière les rideaux que vient de tirer l'amante qui tremble dans le noir. Des pommes tavelées dans la poche d'un blanc tablier, on pouvait trouver de la mâche le long du talus, des prunelles dans les haies vives. Telles étaient les distractions simples au siècle dernier pour ceux qui, à la campagne, prenaient la vie du bon côté. Et puis, je vais lui dire, oui, je vais lui dire. Effectivement, Jean Follin est un de mes maîtres en poésie, et je l'ai connu, je l'aimais beaucoup, c'était un poète normand, donc in memoriam Jean Follin. Dans le jour sans fin s'avance un pâle bricoleur, aux toits et aux fenêtres, l'enfant voit les nuages lointains s'effilocher, quand la belle jardinière, aux fins poignets de ses mains hâlées par le soleil, remue les fils de la blouse entrouverte. L'écolier rêve cet instant de paix, de poitrine glorieuse, sous la caresse des guerriers d'un autre âge. On peut lire peut-être la page 45, si tu veux bien. În ziua nesfârșită înaintează un meșteșugar palid pe acoperișuri. Pe acoperișuri și ferestre, copilul vede cănorii îndepărtate de stramă, când frumoasa grădinăreasă, cu delicatele încheieturi ale mâinilor bronzate de soare, mișcă firele bluzei pe jumătate întredeschise. Școlarul visează în această clipă de pace. Visează sâni glorioși sub mângâierea războinicilor dintr-un alt ev.
Le corps de logis dévasté près de l'ancien chemin s'orne de ronces et de silence quand l'enfant passe en quête de fruits rouges. Un vieux râteau rouillé, des tessons noirs et verts, des chaises défoncées s'entassent dans la cour. Un bûcheron vaque alentour, blaguant l'enfant qui s'en détourne. Il a vu dans la haie, au-dessus des baies mûres, un jet dont le cri l'a surpris, étrange appel, sous le ciel de midi. On ne va pas lire le roumain de celui-ci, je passe encore. C'est comme ça. Les chasses du vent soulèvent dentelles et velours tendues sur la corde à linge. Au pays de mémoire, on se souvient des jours de fête où, après boire, on dansait pieds nus sur les parquets cirés, les tissus légers nimbés de sueur collaient aux hanches et aux aisselles, quand, dans les veines bleues, le sang affluait, répondant aux soupirs du vieil accordéon, les rires fusaient tandis que l'enfant seul peinait à s'endormir. Ailleurs, dans l'ordre universel, le temps filait, on moissonnait encore près des villages, on défilait dans les bourgs, dans les faubourgs, des orages passés ou des guerres éclatées. Peut-être que tu peux lire celui-ci en roumain. Peut-être c'est page 51. Pourquoi pas. Raidurile vântului ridică dantele și catifea întinse pe frânghia de rufe în țara aducerilor aminte. Ne amintim zilele de sărbătoare, când, după ce beam, dansam desculți pe parchetul ustruit. Țesăturile ușoare, pline de transpirație, se lipeau de șolduri și de subsuori, când în venele albastre sângele curgea, răspunzând suspinelor vechiului acordeon. Râsetele izbucneau, în timp ce copilul singur se străduia să adoarmă. De altfel, în ordinea universală, timpul trecea, secerișul era încă întoi, în apropierea satelor se defila în suburbii. Furtunile treceau sau războaie izbucneau. Et puis le dernier qui est court pour finir le récital, et je vous remercie de votre attention, c'est le dernier que lira aussi en roumain mon ami Valeriu Stancu. C'est la page 55 pour toi et moi, page 54. La pluie vient. Le vent balance les portraits au mur. La respiration se fait lente et sourde quand, du plafond, suintent quelques gouttes. La nuit tombe, les volets claquent. Au cadran de l'horloge, la fermière guette un retour. L'orage éclate. Sur la table de bois entaillée, elle a baissé la lampe. La soupe refroidit sans que l'ordre du monde ne se trouble. La femme attend longtemps. Merci, merci, merci. Merci. Vine ploaia. Vântul leagănă portretele pe zid. Respirația devine lentă și surdă când din tavan se preling câteva picături. Noaptea cade, obloanele pocnesc. Pe cadranul ceasului, fermiera pândește o întoarcere. Furtuna izbucnește. Pe masa de lemn crestată a făcut lampa mai mică. Se răcește supa, fără ca ordinea lumii să se tulbure. Femeia așteaptă vreme îndelungată.
Merci, Sylvestre. Si vous permettez, comme mon ami a lu un poème qui pourrait être dans cette pièce, moi je voudrais vous lire juste, c'est pareil, un poème que j'ai écrit en Roumanie, parce que j'ai été frappée par le climat que je ne connaissais pas, par les longs hivers, et puis par toute cette verdure que vous avez, qui est absolument magnifique, mais qui surprend beaucoup quand on vient, comme moi, de Sicile ou du Maroc, où tout est rare. Et donc, c'était une découverte pour moi. J'ai trouvé ça magnifique. Dans le lac de tes yeux, la pâleur d'un hiver sans terme, suspendu aux crêtes des montagnes, cousu de fils de neige. Des routes sans fin aboient à l'étrange passant d'un soir venu. Des forêts serrées en sages voyelles se poussent pour être les premières, et le vent, seul à seul, ronflant d'orgueil. Dans le lac de tes yeux, la chaleur d'été qui s'étire sans honte, en accord égrené, dans les fougères volages à l'abri de la hutte sans toit, appelle tambour sur l'épaule d'un soir venu. Mutsumesk. Donc, puțin, doamna Elena Bulai vrea să spună ceva. S'il n'y a plus de commentaires programmés, j'ose dire quelques mots pour vous remercier pour ce bain de français qui devient si rare, de plus en plus rare chez nous. Pour moi, au moins, je suis à la retraite. J'ai 47 années d'université. Donc, et je vois, tristement, comment on s'éloigne de cette langue sœur. Mais, comme je suis née avec cet espoir naïf, j'entrevois aussi le moment où l'humanité va s'ennuyer de cet anglais qui n'est pas anglais, l'anglais de Shakespeare, cet anglais américain, cette langue du commerce et de la communication immédiate, et va retrouver la beauté du français, langue diplomatique, langue de la diplomatie, langue de tous les grands genres littéraires, langue de la poésie, langue de la politique aussi, de la politique, de la haute politique. Eh bien, en tant que... Moi, je fais une petite parenthèse. Comme mes amis, ceux qui me connaissent ici, mes ex-étudiants, par exemple, le savent, j'ai été 15 années directrice d'un grand centre de culture du pays, je l'appelle le plus ancien, celui de Tescagne, centre culturel. Et dans la maison des Rossetti, de la famille Rossetti, il y avait cette tradition francophone. À côté de l'allemand, que les jeunes filles possédaient, apprenaient parce qu'elles faisaient le pensionnat en Allemagne, et de l'anglais, que tout le monde qui commençait à être parlé dès la fin du 19e siècle, le français tenait le pas. Et donc, c'était une élégance de savoir s'exprimer en français. Lorsque j'étais directrice de ce centre, j'ai fait partie d'un réseau européen des centres de culture qui avait le siège à Paris et qui s'appelait Les Rencontres. Eh bien, Les Rencontres militaient pour l'introduction du français dans les manifestations, non pas seulement culturelles, mais politiques, de notre Europe unie. Et donc, je pense qu'il y a quand même un espoir que le français va un jour être reconnu de nouveau comme une langue qui ne peut pas être parlée par n'importe qui,
parce que c'est une langue difficile. Excusez-moi, mais les Français, eux aussi, parce qu'ils sont formés comme ça pour la phonation en français, ils apprennent difficilement une langue étrangère. Voilà. Oui. Donc, conservons l'espoir que le français nous va revenir. Deuxièmement, en tant que, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas lu. Je ne me permets pas de le faire. J'ai survolé ce que M. Brignano a eu l'amabilité de m'envoyer par mail. Mais ce que je me suis dit en lisant vos poèmes, vos petits poèmes, j'ai dit, voilà le haïku français. Deuxièmement, en lisant vos nouvelles, je pense que ce genre littéraire, parce que l'espèce n'existe pas dans la critique littéraire française, mais ce genre littéraire va renaître. Oui. Va renaître, est en train de renaître. Cette histoire qui revient de loin, c'est un petit livre, un bouquin qui est parfait, publié chez vous. Puis, ces histoires que vous racontez, donc, je vois que la nouvelle va gagner de nouveau du terrain en France. Parce que pour quelques décennies, la nouvelle a été un peu laissée de côté, disons. Et troisièmement, je veux dire, à propos de ce que vous avez lu, parce que je n'ai pas eu le livre, je vous ai entendu, je vous ai suivi, c'est cette nostalgie du village d'autrefois qui se retrouve chez nous. Bien que les villages en France ne soient pas du tout semblables, ressemblant aux villages romains. Ce sont de petites localités. J'ai visité la France, j'ai eu cette chance de visiter la France après les années 90. Et voilà, c'est un bienfait de la pandémie aussi chez nous, parce que les habitants des villes ont commencé à se réfugier dans les villages et ont commencé à découvrir la beauté naturellement à un autre niveau, dirais-je, non? Mais cela nous donne l'espoir d'un renouveau dans le pays. Je vous remercie bien, je vous félicite tous. Je connais peu la ville de Iași, l'Institut, parce que j'ai fait mes études à Bucarest, j'ai enseigné à l'Université de Bucarest aussi 2 années, puis j'ai conservé mon poste ici à l'Université de Bacău. Mais quant à Iași, je connaissais Madame Maria Karpov, qui est un grand professeur, qui a été un grand professeur, un grand ami à moi, Monsieur Alexandru Călinescu, qui venait donner des cours chez nous, mais pour le reste... Mais maintenant, je vous promets de venir un peu, si vous l'acceptez, de venir visiter l'Institut français de Iași. Merci encore une fois. Obligée dans le sens tout à fait positif du terme de répondre à madame, parce que je me sens concernée là cette fois-ci, non pas comme poétesse, mais justement comme responsable d'un institut culturel. Et c'est ma grande gloire, ma grande satisfaction. Je fais un métier qui me passionne et un métier qui est lourd de responsabilités. J'ai été professeure de français au début de ma carrière et puis après j'ai en effet quitté l'éducation nationale pour justement prendre le chemin de la diplomatie culturelle, parce que je trouve que notre rôle justement est de porter, comme dit, haut le flambeau de la langue française. Alors pour moi, j'ai un petit peu, pas une théorie, mais que partagent beaucoup de personnes, c'est que le français peut renaître aussi dans le plurilinguisme. C'est-à-dire que, voilà, l'anglais existe, c'est l'anglais de base que nous utilisons tous pour lire un formulaire, mais il faut savoir, alors essayons de savoir le français, cette langue en effet, de la diplomatie, etc. Et puis l'allemand, et puis l'italien, et puis l'espagnol. Je pense que pour les jeunes générations,
d'inspiration. Je vois, il y a deux jeunes gens dans la salle. Hein, pour vous, eh bien, essayez de savoir 3 ou 4 langues. Peut-être, je dirais, moi, quand j'ai été professeur à l'université en Italie, et j'avais des garçons devant moi qui n'osaient pas prendre la parole parce qu'ils me disaient « on va être ridicule », etc. Je dis « mais écoutez, lancez-vous, faites même des erreurs, ne prononcez pas forcément toujours très bien, mais lancez-vous et parlez ». Donc je pense en effet que le français renaîtra, reprendra sa place au sein de plusieurs langues. Et puis bien entendu, ben, je vous attends personnellement à l'Institut, nous ne sommes pas si loin, c'est un institut qui est ouvert à tout le monde, hein, je le dis, hein. On dispense des cours de langue, mais voilà, on diffuse la culture, etc. Et c'est véritablement à nous. Nos journées sont quelquefois longues, mais elles sont toujours remplies. Et quand je rentre à la maison, je vous assure bien que je suis contente quand j'ai pu faire quelque chose et quand un jeune, un moins jeune, est venu et m'a dit « Madame, vous nous avez appris quelque chose » ou « ça a été sympa ». Et donc ça, c'est pour moi une satisfaction. Donc j'attends madame et puis je vous attends tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quand vous avez le temps de venir à Iași. Merci beaucoup. Da, mulțumim foarte mult. Dans la finale, dans notre conversation, non, puțin. Excuse. Au nom de mes collègues écrivains, au nom de mes amis, nous vous remercions beaucoup pour cet grand honneur et le grand plaisir de vous avoir invité et le fait d'avoir écouté et lu, parce que monsieur le directeur nous a envoyé les livres. C'était impressionnant et c'était vraiment une soirée culturelle dont nous nous... J'ai bien des émotions, beaucoup. Da, mulțumim tuturor. Dans final, à notre... Trebuie cineva să traducă, da. Așa. S'il vous plaît, nous vous offrez-vous un petite attention pour votre présence ce soir ici, un prix d'excellence, un prix d'excellence dans Bacovia, plomb français romain. Madame, monsieur, Monseigneur Sylvester, pour vous, ça a pris d'excellence, excellence en plomb, Bacovia. Merci beaucoup. Je voulais vous dire à quel point je suis sensible à votre accueil. Et en plus, dans cette maison magnifique, vous avez su garder le patrimoine sensible, poétique, historique, littéraire de votre belle ville. Et c'est très, très important parce que être reçu dans la maison d'un immense écrivain, Bacovia, comme vous avez de grands poètes immenses, il fait partie de ceux-ci. Il y a Blaga, évidemment, Eminescu, bien sûr, il y a Arghezi, mais Bacovia, c'est très important. Et donc, je suis très sensible à être dans ces murs, de même que je suis très ému quand je vais dans la maison de Mallarmé à Vulaine, près de la forêt de Fontainebleau, au bord de la Seine. C'est très émouvant. J'allais beaucoup écrire et réfléchir dans la maison de Balzac, qui est toujours à Paris, qui est merveilleuse. Donc, les maisons des écrivains, c'est un bien précieux. Et vous avez raison, il faut les conserver. Merci pour ces honneurs. Je vais lire avec beaucoup de plaisir ce beau livre de Bacovia en bilingue. Et merci pour le... Traduit, Valerio Stanco. Il faut que je... Nous espérons que vous reveniez à... Bacău, ici, cât mai curând. Tout à l'heure.